Chers adhérents, bonsoir et bienvenue aux conférences de la Chambre des propriétaires. Le thème de ce soir, pourquoi évaluer ses biens immobiliers, présenté par le fiscaliste maître Pierre-Emmanuel Guidet et l'expert en évaluation immobilière Grégory Pomaret. Merci beaucoup et bonne conférence à tous. J'interviens dans un certain nombre de cas qui sont assez variés. Donc le premier, le plus classique, c'est la vente ou l'achat d'une propriété. Effectivement, pourquoi faire une expertise? L'expertise immobilière peut aider à déterminer la valeur marchande d'une propriété en fonction de facteurs tels que l'emplacement, la taille, l'état de la propriété ou encore les tendances du marché. Dans le cas de succession, bien évidemment, lorsqu'une propriété est transmise à la suite d'un décès, une expertise immobilière permet d'évaluer la valeur de la propriété pour la division des actifs. Et les banques ont une attention particulière à la valeur vénale du bien qu'ils financent. Donc c'est indispensable aujourd'hui d'avoir un expert à ses côtés pour pouvoir déterminer la valeur exacte du bien qu'on achète, un, pour vous rassurer, et deux, pour permettre le financement de l'opération. À ce sujet, j'ajouterai une précision. Il y a eu toute une série de prêts qui tendent à se développer, c'est ce qu'on appelle les prêts hypothécaires. C'est-à-dire que, notamment pour les personnes qui ont un certain âge et qui sont plus difficilement assurables, vous avez parfois, auprès de certaines banques, la possibilité d'obtenir un financement en mettant en garantie des biens immobiliers via une hypothèque. Et pour ça, les banques demandent généralement une expertise pour pouvoir garantir leur financement. En général, les ratios, c'est environ 50%, c'est-à-dire si vous avez un bien qui vaut 1 million, et ben vous pouvez avoir un prêt hypothécaire de 500 000 euros à hypothécaire sur le bien d'un million. Ensuite, donc, en cas de litige, souvent j'interviens en cas de litige, par exemple quand vous avez un conflit juridique, une expertise immobilière permet donc de fournir des preuves par rapport à la valeur de la propriété, ou quand il y a un désordre de manière indirecte, c'est-à-dire que par exemple vous avez un désordre qui est causé par un immeuble qui est construit à côté de votre maison, quel est effectivement le désordre structurel par exemple, ou effectivement quelle peut être la moins-value par rapport au fait d'avoir un immeuble qui se construit à côté de votre maison. Et enfin, dans le dernier cas, lors de partage, bien sûr, d'une donation par partage, par exemple, une expertise permet donc une répartition précise des biens à distribuer. Vous avez un immeuble en entier, par exemple, avec une cinquantaine de lots, vous avez 3 enfants. Le plus simple, c'est effectivement donc, d'avoir une expertise lot par lot pour pouvoir répartir les lots de manière équitable entre les 3 enfants. Une petite précision sur les donations. Quand vous faites une donation, elle est rapportable. Quand vous faites une donation partage, les valeurs sont fixées. Ça veut dire que si vous donnez un bien aujourd'hui vaut 500 000 à un de vos enfants, et que c'est une donation simple, et que vous décédez dans 30 ans, eh bien on va réévaluer le bien au bout de 30 ans. Voilà. Donc il va y avoir un rapport à la valeur de ce bien au bout de 30 ans. C'est-à-dire que si vous avez donné un bien qui vaut 500 000 et qui dans 30 ans vaut 2 millions, on va le rapporter à 2 millions. Et si à l'autre enfant, vous avez donné 500 000 en cash, qu'il a tout craqué, il sera rapporté pour zéro. Hein? Enfin non, il sera rapporté pour 500 000. Mais donc vous voyez, vous allez créer une disparité. Et c'est pour ça que généralement, nos amis notaires préfèrent les donations partage. Et donc on va avoir deux fois besoin d'un expert au moment de la donation et au moment de la réévaluation du bien. Donc il s'agit bien évidemment d'un rapport formel, d'un rapport écrit établi donc par un expert pour déterminer une valeur précise de biens ou encore de droits immobiliers compte tenu des facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux. D'accord ? Un expert, ce n'est pas un agent immobilier. Un agent immobilier, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un, c'est un agent qui est là pour vendre ou pour louer un bien immobilier et il va se baser sur un marché local, le marché qu'il connaît et rien d'autre. Donc c'est, en fait, il a une vision un petit peu moins large qu'un expert qui va prendre l'ensemble de l'immobilier avec ses caractéristiques qui sont propres, soit juridiques ou fiscales. Et enfin, dernier élément, ça, on en parlera un petit peu aussi, c'est que l'expertise, elle est soit amiable, soit judiciaire, mais donc elle peut être contradictoire en matière amiable et elle est nécessairement en matière judiciaire.
Donc je précise ma pensée, en matière amiable, elle peut être contradictoire si elle est transmise à l'ensemble des parties. D'accord ? Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Les parties s'entendent pour nommer un expert qui va rendre un rapport d'expertise. Ce rapport d'expertise peut être fourni au juge qui va en tenir compte. Donc du coup, ça permet d'éviter de nommer encore un expert judiciaire qui va engendrer des frais supplémentaires. J'insisterai sur une erreur souvent commise par mes clients de bonne foi, bien entendu. Je veux dire, un avis de valeur d'un agent immobilier, je veux dire, vous donnez ça à nos amis de l'administration fiscale, ça a vraiment, vraiment, vraiment aucune valeur. Donc, ce n'est pas une expertise. Une expertise, c'est une méthode. C'est-à-dire que ce soit une expertise judiciaire ou une expertise amiable, comme l'a dit Grégory, l'expert, s'il a les tampons qu'il faut, il est agréé tout comme il faut, il doit suivre la méthode. Le rôle de l'expert, c'est effectivement établir un rapport selon la méthode définie par la charte de l'expertise. Et cette méthode est appréciée par l'administration fiscale. Ce n'est pas une preuve auprès de l'administration fiscale. Mais si vous arrivez avec un rapport d'expertise qui suit bien la méthode, etc., vous allez effectivement... peut-être pas complètement désarçonner nos amis des impôts, mais vous avez quelque chose à mettre en face. Il va falloir distinguer, ou moins distinguer d'ailleurs, Grégory vous en parlera tout à l'heure, entre l'expertise judiciaire, qui est une expertise qui est opposable à l'administration fiscale, et lorsqu'on est dans une procédure judiciaire contre l'administration fiscale, c'est-à-dire si on a saisi une juridiction parce qu'on n'est pas d'accord avec l'évaluation imposée par l'administration fiscale, on saisit le juge. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière fiscale, l'expertise est de droit. D'accord ? C'est-à-dire que si on n'est absolument pas d'accord avec l'administration fiscale, et si, bien entendu, le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire pas pour l'IFI, je veux dire, sauf si on a des centaines de millions, mais essentiellement en matière de succession où on arrive à des tranches à 45%, bon, c'est sûr que si on a une différence d'un million avec l'administration fiscale, 45% d'un million de tête, ça fait 450 000. Donc bon, ça vaut peut-être le coup de se battre et peut-être le coup d'aller voir le juge qui, lui, va être obligé, si on le demande, de nommer un expert judiciaire. Alors, un expert judiciaire, Grégory peut vous en parler mieux que moi, c'est... Alors, un expert judiciaire, c'est un expert comme moi, qui est désigné par une cour d'appel de justice, et donc il est nommé par le juge, d'accord ? Donc il n'est pas nommé par les parties, il est nommé par le juge, donc il s'oppose aux parties, contrairement à un expert amiable, qui lui est nommé par une des parties, mais qui peut être contradictoire, je le répète, c'est important, si le rapport d'expert est porté à la connaissance des deux parties. On doit garder la notion du contradictoire, c'est fondamental en droit en expertise, donc c'est extrêmement important pour que ce soit, pour qu'elle soit recevable par le juge, il faut que les parties aient eu connaissance de l'expertise. C'est pas forcément idiot de prendre un expert qui n'est pas un expert judiciaire, c'est-à-dire inscrit sur une liste auprès de la cour d'appel, mais prendre un expert, bien entendu agréé, etc., avec toutes les qualifications qui convient, pour faire une expertise, la faire contradictoire, et après, elle est opposable au juge. Après, attention, le juge n'est jamais tenu par l'expertise, hein, il fait ce qu'il veut, ce monsieur. Hein, mais généralement, il s'appuie sur l'expertise. Donc si l'expertise ne lui convient pas, alors qu'elle a été présentée par les deux parties ou deux parties, il peut très bien nommer un nouvel expert. Et le juge n'est pas tenu de suivre la valeur. Il donne bien souvent en valeur locative une valeur inférieure. Les méthodes qui nous concernent aujourd'hui, donc des méthodes, je vous en ai mis plusieurs, mais celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, donc c'est la méthode par comparaison. Donc ça, c'est la méthode de base reconnue par la Cour de cassation, par l'administration fiscale. Et la méthode par capitalisation, dite par le revenu, cette méthode-là est admise par l'administration fiscale à titre de recoupement avec la méthode par comparaison et pour les immeubles de rapport, uniquement les immeubles de rapport. D'accord ? Ça, c'est très important parce qu'on voit souvent avec le manuel, lors des commissions, ils sont donc ces méthodes par comparaison uniquement. Et donc la méthode par comparaison, pour vous donner
petite définition. Donc, elle consiste à déduire la valeur d'un bien de l'analyse du prix obtenu lors de la vente d'autres biens relativement comparables en termes de consistance, d'état et de situation dans un laps de temps assez proche. Cette méthode est très efficace sur les marchés parisiens en Ile-de-France où on a beaucoup de ventes. Il y a beaucoup de transactions qui sont réalisées. J'essaye d'arranger un petit peu les présentations pour essayer de défendre au mieux mes clients par rapport aux évaluations complètement exagérées de l'administration fiscale. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix dans les différents biens que l'on va prendre comme éléments de comparaison pour essayer de trouver les éléments qui vont bien, mais qui ne sont pas non plus complètement ridicules. Alors, le truc idéal, c'est quand l'administration prend des éléments de comparaison qui sont absolument pas pertinents. Donc, on va effectivement essayer de les démonter soit devant l'administration, soit devant le supérieur hiérarchique, soit devant la commission de conciliation, je vous en parlerai. Et là, après, on est dans un boulevard, puisqu'on va démonter les éléments de l'administration qui ne sont pas pertinents. Alors, est-ce que vous pouvez défricher plutôt le terrain ? Tout à fait, parce que comme vous l'a dit Grégory, il y a un certain nombre de bases qui sont accessibles par Internet. Alors, le conseil, c'est de ne pas utiliser la base via votre espace personnel sur impots.gouv, parce que du coup, vous laissez des traces comme quoi vous êtes allé farfouiller sur la base impots.gouv. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Alors que la base est également à votre disposition, c'est la base Etalab, DVF Etalab. Et si vous tapez sur Google DVF Etalab, vous allez arriver sur le site Etalab, vous allez saisir votre adresse, il vous demande un certain nombre de références cadastrales que vous pouvez également trouver sans difficulté sur Internet. Et vous avez toutes les ventes qui ont eu lieu, vous choisissez... Voilà, dans un rayon de 50 mètres, 100 mètres, 10 mètres, 10 kilomètres, les dates, les surfaces, etc. Alors, attention, parfois on a un problème sur les surfaces, c'est-à-dire que les surfaces qui sont dans la base étalable ne sont pas forcément les mêmes que celles qui sont retenues par l'administration fiscale, tout simplement parce qu'on a des surfaces carrées, des surfaces pas carrées. Mais bon, globalement, vous pouvez déjà... Si vous avez un appartement qui a été vendu dans votre immeuble, vous allez le retrouver dans la base. Et s'il a été vendu 15 000 euros le mètre carré et que vous l'estimez pour l'IFI ou pour une succession à 5 000 euros le mètre carré, bon, après, il faudra prouver qu'il est très, très humide, très humide. Les fenêtres, il y a un bruit pas possible, qu'elle est mal orientée, que les voisins du dessus, ils font un boucan tout le temps, que c'est incroyable, que voilà. Bon, après, on peut toujours raconter des histoires. Mais toujours est-il que si on voit une différence de 5 000 à 15 000, on va avoir un souci. On va avoir un problème. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu un problème. Alors. Ça dépend, en fait, dans la vente, si les honoraires d'agence sont à la charge du vendeur ou à la charge de l'acquéreur. Si c'est à la charge du vendeur, alors effectivement, les honoraires d'agence sont inclus dans le prix de vente. Si à la charge de l'acquéreur, on ventile, que ça permet à l'acquéreur de ne pas payer des frais notaires sur des frais d'agence, ce qui est un petit peu aberrant. Donc, ça dépend. Vous voyez, donc là encore, c'est une imprécision qui fait que, du coup, vous avez une variation de 5% du prix. C'est quand même pas négligeable. Vertir, donc là, on va parler de... Méthode par capitalisation, c'est méthode par le revenu. Hein. C'est clair pour tout le monde. C'est-à-dire que qu'est-ce que génère comme revenu votre immeuble. Et à partir du revenu généré par un immeuble et d'un taux de rendement, on va pouvoir déterminer la valeur vénale de votre bien. Donc attention, c'est un revenu constaté ou théorique. Attention, si vous avez votre immeuble qui est loué à 50%, la valeur vénale de votre immeuble n'est pas 50% par rapport au fait qu'il soit loué à 100%. Ce que je veux dire, c'est important, ça. C'est pour ça qu'on dit loyer théorique, c'est-à-dire quelle est la valeur locative de votre immeuble lorsqu'il est rempli à 100%.
voyez, on sort la vacance. Sinon, c'est trop facile. La reine des méthodes, c'est ce que vous a dit Grégory tout à l'heure, c'est les comparaisons. Voilà. Après, parfois, on utilise la méthode de rendement pour conforter la méthode par comparaison. Mais il ne faut pas non plus prendre l'administration fiscale pour des dindons. Parce que, bien entendu, pas lui, mais moi, je vais faire que la valeur de rendement corrobore ma valeur de comparaison qui me va bien. C'est tellement facile, parce que si vous prenez une valeur de rendement de 3% ou de 5%, vous arrivez absolument pas au même résultat. Voilà. Et l'administration, on voit bien en commission, quand on nous dit, vous voyez, la valeur de rendement, ça conforte. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les taux de rendement... C'est vraiment la valeur, c'est accessoire. Ouais. Voilà. Que vous preniez un taux de rendement de 4% ou de 5%, ça vous fait une variation de la valeur vénale de 20%. Hein. C'est énorme. Donc le taux de rendement, il faut être extrêmement précis. C'est un taux également qu'on choisit par comparaison. D'accord. Donc là aussi, nous, en tant qu'experts, on a des bases de données et qui permettent de savoir le taux de rendement correspondant. La valeur vénale, c'est le revenu divisé par le taux de rendement, bien évidemment. Donc avec un loyer annuel de 35 000 euros par an, on va considérer donc un taux de rendement pour cette classe d'actifs de 5%. Donc vous divisez donc les 35 000 euros toujours par an, prenez pas le loyer mensuel ou trimestriel, sinon vous allez avoir un souci sur la valeur. C'est loyer brut, hein. Alors loyer brut, ça fait rendement brut. Loyer net, ça dépend si vous prenez le loyer net ou le loyer brut, vous avez un rendement net ou un rendement brut. D'accord ? En général, on parle de rendement brut. Oui. Effectivement, donc 35 000 euros divisé par 5%, donc là, dans notre exemple, ça nous donne une valeur vénale de 700 000 euros. Donc ça, c'est très important. Méthode par la capitalisation, n'oubliez pas, c'est uniquement pour des immeubles de rapport, d'accord ? Les appartements, vous pouvez sortir. Et donc, attention au taux de rendement qui est retenu. C'est pour les bureaux, un plateau de bureau. Alors, un plateau de bureau, attention, oui, bureau, c'est un immeuble de bureau. Un étage de bureau dans un immeuble. Un immeuble de bureau ? Non. Un étage de bureau. Un étage de bureau, oui, mais c'est-à-dire que vous êtes copropriétaire, c'est-à-dire que vous avez un plateau de bureau et au-dessus. Alors, on est plus sur du professionnel, là, c'est ça ? C'est avocat, médecin ? Location, oui. Voilà. Malheureusement, ça va être, ce ne sera pas retenu par l'administration fiscale. Ils vont dire que ce n'est pas un immeuble de rapport. Alors, ça dépend. Est-ce que l'immeuble de rapport, ce soit du bureau, de la boutique, de l'habitation, il faut que ce soit un immeuble de rapport. C'est, quelle que soit la nature des locaux, il faut que ce soit loué à 100%. Nous intervenons donc régulièrement pour vous. Donc lorsque vous faites une déclaration auprès de la DGFiP pour vous assurer de la valeur que vous déclarez à l'administration fiscale, quand vous avez tout simplement un doute sur la valeur de votre bien que vous voulez transmettre, par exemple, vous voulez faire une donation, un démembrement, donner la nue propriétaire aux enfants, c'est bien d'avoir une valeur précise en tête, parce qu'après les conséquences, elles peuvent être fiscales. Lors d'une déclaration de succession, souvent les notaires me sollicitent parce qu'ils préfèrent avoir des avis d'experts. Ça leur permet de sécuriser la succession, la liquidation. Pour nos prescripteurs aussi, donc que ce soit les syndics, les agents immobiliers aussi, bien sûr, nous sollicitent sur des biens spécifiques. Évidemment, c'est hors de leur secteur. Les gérants d'immeubles, les associations comme la Chambre des propriétaires, ou encore, comme je vous disais tout à l'heure, les notaires. C'est vrai que les notaires font les déclarations de succession. Ce qu'il faut savoir, c'est que le notaire n'a pas le monopole de la déclaration de succession, et j'ai certains confrères qui font des déclarations de succession. Récemment, j'ai des clients qui sont partis en courant du notaire parce qu'ils pensaient être chez le percepteur, alors que donc je les ai envoyés vers ce confrère qui fait des déclarations de succession, qui prend un peu moins cher que les 0,40 traditionnels que prennent les notaires, parce qu'ils sont obligés, hein, autrement ils prendraient moins, bien sûr, mais ils sont obligés de prendre 0,40, alors qu'un avocat, il prend beaucoup moins. Alors, encore une fois, c'est intéressant que pour des successions où on est dans les 45%, et si les évaluations
de l'avocat et du confrère qui fait la déclaration de succession avec nous, on arrive à vous faire payer une base de 1 million inférieure, vous voyez tout de suite à 45% que ça fait quand même une vraie économie. Notre souci, c'est surtout, et ça tombe bien puisque c'est en lien avec ce que je vais vous dire, c'est de ne pas vous faire franchir la ligne rouge, c'est-à-dire, un, que vous ne trouviez pas en prison, bon quand même, deux, que vous n'ayez pas des pénalités de manquement délibéré de 40%, et puis vous dire, voilà, on a toujours une marge de manœuvre sur l'évaluation, et après, c'est au client, parce que c'est quand même ses sous, de prendre le risque ou pas. Hein, si on lui dit, ben voilà, votre appart, bon, au lieu de mettre 1,5 million, on le met à 1,2 million, en vrai, qu'est-ce qui va se passer? On va aller devant la commission, et si on a des éléments de comparaison qui tiennent la route, on va trouver 1,3 million. Donc on aura gagné 200 000. Voilà, c'est 45%, ça vaut le coup. Donc ça veut dire que, voilà, il faut ne pas oublier que c'est vos sous ou bien que c'est vous qui décidez et certainement pas le notaire. Alors on a une sorte de déliquescence de la procédure fiscale en la matière, puisque alors des fois maintenant ils envoient des mails en disant vous faites le bobier votre déclaration IFI. Ou alors il téléphone, enfin des trucs qui sont complètement en dehors de ce que prévoit le livre des procédures fiscales. Mais ils essayent d'aller vite, quoi. Hein, on ne va pas passer notre temps parce que l'IFI, ça ne rapporte pas énormément. Hein, même si vous avez un redressement de 100 000 euros à l'IFI, 1%, ça rapporte 10 000 euros, il ne faut pas non plus passer 3 heures là-dessus. Donc, parfois, vous allez recevoir des courriers en disant il ressort des éléments en notre possession que vous seriez peut-être passible de l'IFI. Premier cas de figure, vous recevez ce courrier en lettres simples. Quand vous recevez un courrier en lettres simples, je ne vous dis pas de mentir et de dire que vous ne l'avez pas reçu, bien entendu. En revanche, le délai ne court pas. Ah oui, le délai c'est 30 jours. 30 jours à partir de quand? Donc ça veut dire quand vous recevez un courrier en lettres simples, je vous en supplie, ne téléphonez pas au signataire en disant « Oh, qu'est-ce que c'est que le courrier que j'ai reçu ?» Hein? Après, vous êtes mort. D'accord? Vous ne pouvez plus dire que vous ne l'avez pas reçu puisque vous l'avez appelé. Donc, surtout, mais vraiment, je vous promets, faites ça. Quand vous recevez un courrier des impôts, vous faites un dodo. Voilà. Vous attendez. Vous ne vous précipitez pas. Il n'y a pas le feu au lac. D'accord? Le livre des procédures fiscales, il dit que le délai, quand il n'y a pas d'autre délai, c'est 30 jours. Ce n'est pas 24 heures. D'accord? Donc il faut que vous ayez ça en tête. Si vous l'avez reçu en simple, vous avez le choix de bien réfléchir pendant tout le temps qu'il faut pour savoir ce qu'il faut faire. Si vous avez explosé les limites de l'IFI, je dirais, c'est pas la peine de jouer au petit malin, vous faites oups, enfin, on voit ce qu'on fait. Voilà. Si vous êtes juste borderline, vous attendez le courrier recommandé, et là, pareil, vous faites un dodo. Et le lendemain, vous appelez le guidet. Vous n'avez jamais, quand vous recevez un courrier des impôts, le pistolet sur la tempe. Vous avez toujours des recours, des commissions, des possibilités de discuter. Donc, si vous recevez une proposition de rectification, d'accord, c'est marqué dessus. Vous avez 30 jours pour répondre. Et en plus, c'est marqué que vous pouvez encore demander un délai supplémentaire de 30 jours. Oui, la zen, quoi. Il n'y a pas de feu au lac. Ça en fait les dodos. Ah bah oui. Donc je fais plein de dodos. Vous avez 60 dodos. Et c'est nickel. Bah, alors, si vous le recevez en simple, vous appliquez la diapositive précédente. D'accord. Hein? Bah oui, si vous vous présentez en simple. Et là, on a gagné quelques dossiers comme ça. C'est-à-dire qu'ils envoient une proposition de rectification en simple. Et après, ils nous mettent en accord tacite. Ben non, il n'y a pas d'accord tacite, puisqu'il n'y a pas de délai. D'accord, c'est même pas une question de menterie. C'est important que je vous rassure sur un plan moral. C'est juste que l'administration n'a pas de délai. Donc elle ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir répondu, puisque vous n'aviez pas de délai pour répondre, et même si c'est le guidet qui intervient, il n'est même pas au courant du premier courrier. Alors, au bout du 30 jours, éventuellement reporté une fois, vous allez faire une réponse. Vous n'êtes pas d'accord. C'est hyper important de dire on n'est pas d'accord. Vous êtes obligé de dire pourquoi. Hein? Vous n'êtes pas d'accord.
vous refusez les redressements. Non, non et non. Voilà. Après, c'est mieux d'essayer de dire pourquoi. Hein? Mais même si vous ne dites pas pourquoi, vous n'avez pas accepté. Ce qui est important, c'est l'accord tacite. L'accord tacite, c'est celui qui ne répond pas, d'accord, ou celui qui dit j'accepte les redressements. Mais si vous dites non, non, non et non, je ne peux pas dire j'ai accepté les redressements quand même. D'accord? Donc vous refusez dans les 30 jours et je vous promets, ça ne va pas les énerver si vous refusez. Donc vous refusez et vous donnez 2-3 trucs quand même pour montrer que quand même ils sont pas gentils. L'administration va répondre aux observations du contribuable. Et si on est en procédure de redressement contradictoire, enfin c'est un peu compliqué, mais c'est ce qui va être le cas, va vous proposer un recours à la commission de conciliation. Alors cette commission de conciliation, on va en parler tout à l'heure, et elle se réunit et examine donc les éléments du contribuable. Après la commission, eh bien, on peut faire un recours hiérarchique, c'est-à-dire aller voir le chef. On peut toujours, qu'est-ce qu'on risque? Il faut bien que vous ayez en tête, c'est que la notif, c'est le point haut. Après, ça ne peut que baisser. Voilà. Donc, ça ne va pas augmenter si vous n'êtes pas gentil avec eux. Voilà, ça ne peut que baisser. Un petit peu, moyennement, beaucoup. Et croyez-moi, ils sont plus gentils avec les méchants qu'avec les gentils. Hein? Le gars qui dit excusez-moi et tout, ça commence mal. Alors, tu dis non, pas du tout. Voilà. Alors, non, mais je vous promets. Alors, la commission départementale de conciliation fiscale à Paris, à la place Saint-Sulpice, c'est une commission paritaire. Paritaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez autant de membres qui représentent l'administration fiscale que de membres qui représentent le contribuable. Côté contribuable, on est 3 ou 4 membres. Donc, il y a un membre de la Chambre des notaires, un membre de la Chambre de commerce et d'industrie, il me semble qu'il y a un membre de temps en temps de la Chambre agricole artisanale. Et donc forcément donc un membre de la chambre des propriétaires. Et de l'autre côté, donc, vous avez autant de membres de la DGFiP. En face, donc, la commission est présidée par un magistrat qui est rattaché au pôle financier du TGI de Paris. Et donc en face, donc, vous avez le contribuable et le vérificateur. Donc bien souvent, c'est le contribuable qui saisit la commission. J'ai pas de mémoire de contribuable expose son dossier. Le vérificateur, après avoir entendu le contribuable, la commission entend le vérificateur. On pose des questions au contribuable et au vérificateur. Et une fois que c'est terminé, donc la commission délibère. L'avis est rendu par le président. Alors, sur la commission, moi, c'est vraiment une instance que j'aime bien. Parce que c'est quand même relativement convivial par rapport à une audience devant le judiciaire. Ce qu'il faut voir, c'est que les représentants de l'administration, c'est tous des inspecteurs principaux, c'est-à-dire pas des grands chefs, mais des petits chefs. D'accord ? Donc c'est quand même des gens qui ont un peu de bouteille. Voilà. Et c'est souvent des gens qui, parfois, contrairement au vérificateur qui est là-bas, ont plus d'expérience et faut pas leur raconter trop n'importe quoi. C'est hyper important de pas prendre les gens pour des dindons. Il faut vraiment, faut être normal. Bah oui, ça c'est cohérent. Accepter des termes de l'administration. Voilà, pas tout refuser. Mais il faut essayer de faire semblant d'être constructif. C'est-à-dire, et c'est là où il y a une petite rupture de l'égalité, c'est que la partie administrative, non seulement elle a vu le dossier, mais elle a pu appeler leurs collègues en disant qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Donc eux, ils ont déjà la possibilité de se concerter. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important pour nous, pour la partie contribuable, d'avoir les mêmes armes. Hein, c'est-à-dire, éventuellement, si vous êtes, vous savez que vous allez être représenté par un membre de la chambre, vous demandez à votre conseil, même si c'est pas Guided, qui nous téléphone pour parler du dossier. Et on fait comme eux. Mais encore une fois, il faut arriver avec des papiers. Et ça me fait de la peine quand je vois des confrères, même de grands cabinets, qui arrivent, qui font du bruit avec leur bouche et qui n'ont pas de papier. Ça ne sert à rien. Il faut des papiers, donner des éléments de comparaison, critiquer les éléments de l'administration. On n'arrive pas en disant, bon, quand même, hein, c'est cher. Hein. Non, ben, c'est pas un argument.
Donc il faut au moins donner l'impression que on veut concilier.